Salut les riders et les rideuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien. Je vous présente aujourd'hui en unboxing la Dualtron New. Alors, on va savoir pourquoi New, chez moi ça veut dire nouveau. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une nouvelle trotte. Mais bon, c'est la Dualtron New. Alors c'est peut-être New au niveau du prix. Mais bon, peu importe. En tout cas, je vous la présente aujourd'hui en unboxing. Et grand grand merci surtout à WeBot pour l'envoi de la trottinette. Allez, c'est parti, on envoie de suite. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit des réelles nouveautés, si tu veux, tu vois, dans le... Ah ouais ? Au niveau du cadre, du machin, je sais pas. Mais déjà, il s'était amélioré là sur une trottinette. Ah oui, 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 mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils revenaient fort, parce qu'ils avaient revu leur prix à leur baisse. Mmh. Et c'est surtout que la Dualtron Mini, elle, que tu avais essayé. Ça a changé, tu as vu, c'était vraiment un nouveau design, ouais. Des nouveaux amortos, c'était totalement différent. Donc pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Là, tu vas voir, ça va te faire penser aux anciennes, ce qu'ils faisaient avant, quoi, ce qu'ils ont toujours fait. C'est pour ça que pour moi, c'est pas trop une nouveauté au final. Mais bon, c'est quand même un nouveau produit, c'est sûr, c'est sûr. Alors aujourd'hui, il fait 32 degrés, les gars. On est le combien? Ah, je sais pas, mais dis-leur, si je filme à côté, est-ce que je te vais tomber dans les pommes? Ouais, ouais, il est déjà trempé, là. C'est de fou. Donc, chargeur, toujours pareil, on connaît les frérots. Donc, 66,4 volts pour 1,65 ampères-heure. Donc, c'est toujours les mêmes, en fait. Hein. C'est toujours pareil, on s'en branle. Donc là, petite pochette. Oh, maintenant il faut dans la pochette. Du oh, ah. On a sorti la sacoche. Sacoche. Aïe, là. Perdu la pochette. On a perdu la pochette. C'est un colasse. Au passage, petite dédicace à Benichou TV. Hein. Ah, tu me régales. Ah ouais. Oh, putain. Ouais, ouais. C'est bon. Quoi? C'est bon. Quoi? Oh là, je l'ai trouvé la nouveauté. Ah, c'est le papier. Je l'ai trouvé la nouveauté, là. C'est quand même mal. Ils en mettaient plus des notices, ah. Dualtron. Tellement qu'ils étaient radins sur l'argent. Tellement qu'ils étaient dans l'économie, gros, ils te mettaient même pas la notice. Maintenant, ils ont mis les... D'accord, merci Dualtron, alors. Grosse, grosse nouveauté. Hein. Merci à toi, gros. Là, je plaisante. Allez, on y va. Donc ça, on le sait comme d'habitude. Le crochet, les conneries, hein, ça fait un million de fois qu'on présente des produits Dualtron, on sait tous comment ça marche. Hein. Donc ceux qui ne savent pas les nouveaux, vous n'avez qu'à regarder les anciennes vidéos et vous trouverez le contenu. Parce qu'à chaque fois, je ne vais pas faire des vidéos de 20 minutes pour répéter les mêmes choses. Après, c'est lourd, c'est lourd. Donc on attaque direct. Bon, bien emballé par contre, ça, il n'y a rien à dire. Oh, petit Dualtron New gravé comme ça. Ah ouais, c'est la nouveauté de chez Dualtron, mec. Voilà, un quart de bout avant. Oh, bien ça. Le dos, c'est toujours le même. Ah, elle est belle par contre, hein. Ah, elle est jolie. Ah, faut la sortir là. Ouais. Oh la bûche. Ah ouais, 30 kilos quand même. Bon, c'est pas extrêmement lourd, mais quand même. Ah. Par contre, moi, elle me plaît bien celle-là. Hein? Elle me plaît bien celle-là. Toute noire, ça te plaît toi. Moi aussi, hein, toute noire, ça tue. Ah, ça reste du Dualtron, mec, il faut dire ce qu'il y a. Ouais. Ça reste du Dualtron. Dualtron, ils ont fait leur réputation, t'inquiète pas. C'est pas non plus des comiques, hein, Dualtron. Ouais. Ça reste Dualtron. Hein. Ouais. Moi, à mon avis, là, on s'en fout, mais il n'y a qu'un seul défaut esthétique que je peux lui dire. Quoi? Le garde-boue arrière, pour moi, c'est pas mon délire. Ouais, ouais, ouais. Tu as vu comme il est long, il doit vraiment te protéger de la pluie. Ah ouais, ça, c'est un bon élément. Ça doit être vraiment bien protégé, par contre. Ouais. Mais bon, moi je le fais sauter, hein. C'est beaucoup plus bizarre. Tu fais tout sauter toi? Non, moi je fais tout sauter. Moi. Pour vous dire vite fait les stats de la trotte, donc c'est du 60 volts, 18,2, donc exactement comme la Raptor, donc ça doit être la batterie de la Raptor. Donc l'autonomie, je ne sais pas ce que ça va donner, en tout cas c'est une 3600 watts en double moteur, contrôleur 27 ampères, donc c'est un équivalent de DT3, donc franchement ça, je pense que ça doit pousser, ça doit vraiment pousser. Vu que c'est un équivalent au niveau des moteurs et, du contrôleur, 27 ampères heure, ça doit quand même envoyer. Par contre, l'autonomie, je pense qu'elle doit être quand même réduite, vu que si tu as la pêche d'une DT3 avec une batterie de Raptor, ça doit être un peu tendu. Mais bon, à voir, à voir.
30 kilos le poids, 30 kilos pile, 29,8, 29,7, c'est pareil, c'est 30 kilos chez moi. On n'est pas à 200 ou 300 grammes, c'est pareil. En fait, c'est l'équivalent d'une Raptor 1 améliorée au final. On est sur des pneus, chambre à air, toujours pareil, en 10 pouces, 2 pouces 5 de largeur. Donc c'est toujours les mêmes pneus depuis un moment qu'ils font. C'est bien à chambre à air. Donc, la différence avec la Dual Tron, 400 € moins cher, 300 watts de plus. Bon, elle fait 400 € de moins, mais elle est plus puissante. Allez. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle est plus puissante. Alors à vide, elle tourne à 71, donc tu dois taper ouais, un bon 55, je pense. Un bon 55, voire 60, comparé à la Eagle, qui, elle, va taper dans du 75. Ils ont dit entre 70 et 75, parce qu'elle tourne à 99 à vide. Donc, tu bloques le compteur à vide. Donc, l'autre, elle va aller plus vite en vitesse de pointe, mais elle est plus puissante, mais elle va moins vite, mais elle est moins chère. Mais alors, franchement, c'est bizarre, leur truc. Par contre, elle n'a pas les LED. Elle n'a pas les LED sur la potence. Donc c'est le cadre d'une Raptor, on le voit très bien, et l'avant d'une Ultra. Donc en fait c'est pas des nouveaux cadres, c'est pas une nouveauté en fait. C'est juste des anciens modèles revisités au final. La New, c'est pour ça qu'il l'appelle comme ça. Et ouais, c'est ça. Mais pour moi c'est pas New. New pour moi c'est un nouveau modèle. D'accord. Après c'est clair, ils ont revu le prix à la baisse. Parce que Dual Tron, il faut savoir que ça, vu que c'est un équivalent de DT3, à l'époque tu l'aurais payé 3 000 €. Allez, et ouais, c'est ça la différence, gros. C'est que à l'époque, ça coûtait 2 900 € une DT3. Bon, ben là, tu as à peu près le même truc, les mêmes specs qu'une DT3, mais sauf que tu n'as pas une batterie de. Tu as une batterie de 18,2 et pas de 28 Ah. Mais si tu veux, d'un coup, le prix, c'est 1890. Ouais, quand même. Et oui. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Mais voilà, je vous la montre tout de suite. Donc, je vous ai dit les specs. Parce que ça, tu n'avais pas ça avant. C'est depuis la Dual Tron Thunder, compact. Mini, voilà, toutes les nouvelles Dual Tron en fait, elles ont ça maintenant. Elles ont le petit crochet avec le machin. Derrière, tu n'as pas de crochet pour porter, ils ne l'ont pas mis dans le truc, donc à mon avis, tu pourras le fixer, mais tu l'as pas d'origine, ça aussi, c'est bizarre, okay. J'ai pas compris, mais bon. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais, que... Quoi ? Ils ont enlevé 400 €? Non, que j'ai remarqué le garde-boue. Parce qu'il n'y a pas le marchepied. Avec le marchepied, elle aurait fait. Bon, les freins, c'est quoi ? C'est les nuts encore ou... Non. Là, ils ont mis. Oula ! Je sais pas, c'est une marque chinoise. Tu freines avec les pieds, tu freines. Ah, mais bon, attends ! 1008 ! Tu es 1890, là ! Tu freines avec les pieds ! Peux pas tout avoir à 1008 ! Tu es chez Dual Tron, frère. Tu es pas chez Kiabi. Oh putain, ah ouais. Tu es pas chez Dual Tron. Tu payes. Faut savoir de quoi tu parles là. Dual Tron, tu payes la marque. Putain, sérieux. Bah, là, ils sont en train de se réveiller parce qu'ils voient que. Ils voient que ça bouge ailleurs de partout. Donc chez eux, ils sont un peu reposés sur leur acquis. Et c'est ça qui est bien dommage, parce qu'ils sont toujours en 60 volts. Ils n'ont toujours pas dépassé le 60 volts chez Dual Tron. Si tu veux, c'est des modèles revisités. Mais après, attention, hein, ça reste, Dual Tron reste Dual Tron. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis voilà, ils ont revu leur prix à la baisse. Donc tu penses bien qu'à la base, ils te pètent un rein. Mmh. Bon, ils ne vont pas te faire une Ferrari au moindre coût. C'est logique. Hein. Tu sais comment ils sont, Dual Tron, gros. Ceux qui ont le monopole, ils vont pas se dire « Ah, bon, ben, finalement, on va faire une tuerie, mais à 1 000 €, tu sais. » Donc, faut pas se leurrer, hein. Mais bon, voilà, l'amélioration, en fait, c'est qu'ils ont revu leur prix à la baisse et qu'ils ont un peu... C'est même pas apporté dans la nouveauté, c'est faire un peu plus d'options sur les nouveaux modèles. Ça reste les mêmes moteurs que la DT3, ça reste le même contrôleur que la DT3. Donc au final, c'est pas une réelle nouveauté, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est pas une réelle nouveauté. C'est Dual Tron, voilà. Ah ouais, la nouveauté, bien. Déjà là, tu as ça. Ça par contre, tu vois, ça j'aime bien, parce que tu... Déjà, leur ancien bouton, tu te souviens, rouge et jaune, c'était minable. Ah ouais. C'était minable, en plus ça prenait l'eau. En fait, moi j'aimais pas. En plus, à force que tu appuies, ça s'effaçait et tout, c'était trop laid. Ouais, ça restait coincé aussi. Ouais, moi j'aimais pas. Moi, j'aimais pas du tout, et c'est surtout qu'ils n'étaient pas étanches. Et là, maintenant, c'est étanche. Tu vois, c'est bien. Les boutons, tu le vois, c'est tout étanche. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, ça, on le sait, les frérots. Tu allumes,
C'est Dualtron, c'est toujours pareil, on va pas le répéter. Double charge derrière. La batterie externe à l'avant. Donc là, batterie externe, là, tu peux mettre un double chargeur, comme sur toutes les Dualtron. Hein. Tu vois très bien, tu as vu la base, c'est les anciennes Dualtron en fait. Hein. Ouais. C'est ce truc de bras de ultra et tout, c'est exactement pareil. Mais au final, tu as deux conneries modifiées, mais pour un prix réduit. Tu rentres dans des trottes abordables, tout en restant chez Dualtron. Pour ceux qui adorent la marque, c'est sûr que, voilà. Je te dis, ouais, le prix, il a baissé. C'est dans le même esprit, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est toujours aussi sobre, aussi agressive, un peu racée. On reste toujours dans le même, tu vois ce que je veux dire, on reste toujours dans l'image du Dualtron. Donc ça reste toujours une méchante trotte, voilà. Donc tu vois, tu as juste ça à visser. Voilà le produit fini, tu vois. Donc sur les caractéristiques, je pense vous avoir tout dit, de la trotte ou à peu près. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, vous le savez, on a l'habitude maintenant, avec Cramtou, on ne se gêne pas les frérots. Hein. En commentaire, vous me dites, un, ce que vous en pensez. Deux, si j'ai oublié des choses ou si vous voulez savoir d'autres renseignements, vous me posez des questions, je vous y répondrai. Allez, c'est bon. Et la colonne? La colonne quoi, la colonne? Elle est là, la colonne. Bah, la colonne, elle est là. Bah. Arrête tes conneries, Greg. T'es là. C'est nouveau prix en fait, c'est new prix, new price. En fait c'est new price. Bon, par contre je pense qu'elle doit envoyer. Ouais je pense. Ah t'es, c'est les moteurs de DT3 et les contrôleurs de DT3 frère. Bon sur ce Greg, j'en peux plus. Ouais. C'est ça, tu le sais, comme c'est, hein, comme ça se passe maintenant. Allez c'est parti les frérots, j'en peux plus, je vais tester ça. Bon. Vous savez comment ça se passe chez Cramtou, hein. Donc là, c'est le moteur, je rappuie coup, double moteur, ça arrache le moins du coup. Ma parole, c'est quoi? En vrai, tu as la pêche d'une Raptor, d'une DT3. Tu as la pêche, tu le sens comme ça part. Mais ce que j'aime beaucoup plus, pas chez la DT3, parce que bon, la DT3, tu peux là, c'était à peine un peu plus rigide, mais c'était quand même un peu plus. Mais incomparable à la compacte, hein, avec ses pneus pleins. Incomparable. Tu vois la souplesse là, comme tu es bien dessus. Tu sens que ça tape pas dans les pieds. Voilà, elle est vraiment pas mal. Comme d'habitude, chez WeBot, encore un grand merci à WeBot, ça c'est sûr. Grand merci à vous, WeBot. Et elle sera avec le code remise Cramtou. Vous aurez droit à des accessoires offerts avec la trottinette. Je vous mets comme d'habitude le lien direct de la trottinette en bas dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, grand merci pour la force, grand merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, prix 1890€. Sur les freins à disque, j'avais oublié, que ce soit du X-Tech ou du machin, c'est pareil. C'est du mécanique, c'est freins à disque mécanique. À quelque chose près, c'est exactement pareil. Mais c'est bien, au moins, là ils se sont pris, tu sais quoi en fait, c'est ça, ils se sont pris 2-3 gifles par les nouveaux constructeurs. Ils ont dû se dire, oh qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris, je me suis pris un tape là, il faudrait un peu que je me réveille, hop on va sortir des nouveaux prix, on va sortir un nouveau modèle, la même base, le même châssis que les anciennes, mais un peu revisité, mais surtout on va baisser le prix. Voilà en fait ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ça peut marcher aussi, hein, parce qu'au final tu as une Dualtron pas chère, enfin moins chère que la base, parce que ça reste très cher quand même. Tu as la marque Dualtron, donc c'est comme si tu achetais la Ferrari des trottinettes au final, parce que Dualtron c'est les plus connus, les plus référencés.
qui a un design agressif, une trotte qui est jolie, pour 1890. En fait, c'est ça. C'est réellement ça. Allez les frérots, sur ce, mon Instagram, cracto-13 pour ceux qui me suivent. Et ceux qui veulent me suivre, sur Instagram, Twitch pour les gamers, cracto tout court. Et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et me languis de faire autre que des unboxings, c'est-à-dire du lourd, des genres de des VS, des trucs comme j'aimais moi à la base, c'est-à-dire faire du lourd en pleine rue ou en centre-ville. Vous allez voir, je vous réserve plein de surprises. Dès qu'on aura fini tous ces unboxings, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va faire mal. Ciao les frères. Tout ce grec, tu le sais. Je m'arrache, tu rentres à pied. Ah ouais, c'est la bombe 25. Pouce bleu, like et toi, crame tout, allez frérot.